Bonjour, 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 bonjour les amis. J'espère que vous allez très très bien. Ça fait vraiment beau de nous revoir encore une fois de plus, chaque fois sur notre chaîne pour parler un peu de notre vie, de ce qui nous concerne. Étant donné de jeunes, parler aussi à d'autres jeunes, parler aussi à nos camarades et surtout, surtout, surtout à mes petits frères. Donc, chaque fois que je viens, c'est pour vous donner les informations concernant notre propre vie, notre développement et tout ce que nous devons faire pour avancer. Donc, nous voulons simplement avancer. On ne veut pas autre chose, mais plutôt, nous voulons avancer dans la vie. Voilà pourquoi nous donnons la peine tout le temps de venir pour vous donner des informations concernant la vie. Ok. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je vous ai amené. L'objectif, en fait, de la vie dans laquelle nous sommes. Un sujet qui va vous aider à pouvoir faire l'introspection, à pouvoir réfléchir pour votre vie. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Voilà ce que nous allons traiter. Juste vous donner certaines techniques, certaines choses qui vont vous aider à pouvoir avancer. Voilà, j'aimerais d'abord me présenter si c'est pour la première fois que tu me découvres. Je suis Ephraim Kalala, je suis entrepreneur, je suis businessman, je suis aussi investisseur, car je crois que c'est parmi ces piliers que l'Afrique va se développer. L'Afrique va se développer par l'entrepreneuriat, par les investissements, et par aussi de business. Voilà, tout ces thématiques-là, si ça t'intéresse, je sais, il y a trois choses que tu vas faire. C'est d'abord, premièrement, de t'abonner sur cette chaîne. Deuxièmement, d'activer la cloche de la notification pour que tu ne rates pas une vidéo que nous allons commencer à publier, qui vont t'ajouter de la valeur. Et troisièmement, ce que tu vas faire, c'est de pouvoir partager massivement cette vidéo pour que cela atteigne plusieurs personnes que tu pourras ajouter de la valeur. Voilà un peu les trois choses que tu vas faire. Entrons maintenant dans le vif du sujet. En fait, dans la vie dans laquelle nous sommes en train de mener, chaque chose dépend de ce que tu veux. Ce que tu vas avoir dépend de l'objectif que toi tu as. La vie que tu vas mener dépend de comment est-ce que toi tu conçois la vie, comment est-ce que toi tu vois, comment est-ce, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, si tu ne l'as pas regardé, va regarder cette vidéo. La magie de voir grand. En fait, ce qui a détruit l'Afrique, c'est le fait de penser petit. On pense que quand on a l'argent, quand on a une belle vie, quand on a un bon standing, et que les gens, peut-être, ils pensent que cela doit venir par le fétiche. Ça, c'est certain. Pourquoi? C'est parce que c'est la culture, en fait, qu'on nous a inculqué par les colons. Quand les colons étaient venus, ils nous ont désintéressés catégoriquement de la richesse. Et ils nous ont placés dans l'éducation qui est là en train de détruire, en fait, la jeunesse. Je ne cesserai jamais de décrier l'éducation qu'on nous a donnée. C'est une éducation qui ne nous permet pas à pouvoir penser très haut, à entreprendre. On est là simplement de petits employés qui veulent rester là, après avoir étudié des années et des années, faire les investissements pendant 18 ans et à la fin récolter. Ça ne fait pas du bien, en fait. Ça m'énerve même. Voir combien de fois cette éducation pauvre, qui n'a jamais été réformée, est en train de cramer, en fait, l'avenir de la jeunesse que nous sommes. Est en train de cramer la jeunesse, l'avenir de mes petits frères qui viennent. Donc, si nous ne nous levons pas tôt, si nous ne faisons pas quelque chose, si nous ne pouvons pas penser au-delà même de ce que les autres ont fait, en fait, je vous dis, mes frères, rien ne changera dans cette vie dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi je suis venu encore une fois de plus pour vous motiver. Ça, c'est une vidéo de la motivation. Prends des grandes décisions. Conçois des grandes choses. Fais des histoires qui vont faire en sorte que
demain ou après-demain, les décisions que toi tu vas prendre aujourd'hui, que cela puisse être bénéfique pour toi. Que cela soit bénéfique en fait pour ton avenir, pour ta vie, pour tout ce que toi tu vas faire. Demain, que ça soit meilleur. On ne veut plus continuer encore de vivre de la même manière que nous sommes en train de vivre. Regardez dans le pays africain. Les gens sont en train de se tuer pour de 1000 francs, de 2000, de 5000 à l'entreprise que toi tu veux postuler même. En fait, moi je pense que pour postuler dans une entreprise, pour postuler même dans un service de l'État, selon ma conscience à moi, il faut que je regarde d'abord ceux-là qui travaillent dans cette entreprise. Quel est leur standing de vie? Quelle vie qu'ils mènent? Est-ce que ce travail qu'ils sont en train de faire, c'est un travail qui les amène à pouvoir être à la vie où ils veulent? Et d'ailleurs, personne ne pourra te payer mieux que toi-même. Vous savez pourquoi est-ce que l'entrepreneur est tellement payé? Il rémunère en fait le risque. Si toi tu es employé, je vais vous faire raisonner quelque chose là-dessus. Si d'abord l'emploi, parce que la jeunesse africaine, s'il y a un seul rêve qu'ils ont, c'est simplement l'emploi. Après avoir travaillé, étudié, graduat, licence, master, doctorat, qui pense à être un employé quelque part. Mais ça, c'est de la foutaise en fait. Hein? C'est de la foutaise. Bien sûr que tu peux travailler, mais que l'emploi ne soit pas quelque chose où tu vas passer toute ta vie. Si tu calcules le salaire que tu auras pendant toute ta vie, je t'assure, à la fin de ta vie, tu seras toujours dans la pauvreté. Et surtout, même quand tu travailles, tu n'atteins même pas une belle standing de vie, je disais. Quand tu veux postuler dans une entreprise, quand tu veux postuler dans un travail, quelque part, que ce soit dans les services de l'État, la première objectif, regarde ceux qui travaillent là. S'ils ont une belle vie, alors postule, c'est pour avoir de l'argent et demain tu entreprends. Tu as un objectif précis quand tu vas au travail. Donc c'est ton objectif peut-être, je vais travailler pendant 5 ans pour avoir 50 000 dollars. Et si c'est 50 000 dollars là, je démarre mon entreprise. Ça, c'est ma conception. Ça, c'est ma conception en fait. Parce que je sais qu'avec ce travail-là, je finirai à la fin. Regardez les autres qui ont fini. Après avoir travaillé pendant 30 ans, 40 ans pour le service national, pour les entreprises de l'État. Mais à la fin, regardez leur vie en fait. C'est tellement malheureux. Quelqu'un qui a travaillé après, à la fin, il se retrouve, c'est comme s'il n'a jamais été dans une entreprise. Mais qu'est-ce que tu faisais? C'est là où ça intervient. La notion de l'épargne, la notion de la connaissance financière, la notion du développement du finance. En fait, quand tu travailles, fais l'effort. Je reviendrai avec une autre vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous devez gérer votre vie, comment est-ce que vous devez gérer votre salaire, comment est-ce que vous devez gérer le peu de moyens que vous êtes en train de prendre, que ce soit au travail, que ce soit dans les journaliers, partout où on te donne. Comment est-ce que tu vas faire en sorte que ce travail-là puisse être bénéfique? Je reviendrai avec une autre vidéo pour vous détailler en fait ce que vous devez faire pour votre salaire. Peut-être qu'on ne vous a jamais entendu. C'est pourquoi je dis, abonnez-vous, partagez en fait. On a un souci pour que l'Afrique se développe. On a un souci pour que nous atteignions tous. Nous ne voulons pas laisser quelqu'un derrière, mais nous voulons grandir tous ensemble. Voilà. Donc, quand tu regardes et que ces gens-là ont une belle standing de vie, c'est que toi, tu veux tes aspirations en fait. Donc, ne pensez jamais emploi. Quand tu étudies, à la fin, ne pense jamais emploi. On ne te rémunérera jamais comme toi tu le voudras. Pense seulement à un travail que toi tu vas lancer. Pense à être un employé. Pense à être un employeur. Que tu sois là en train de pouvoir aussi engager les autres. Nous sommes trop jeunes. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas? C'est parce que notre raisonnement est un peu en bas. Mes très chers, mes petits frères,
S'il y a aussi mes grands frères qui peuvent aussi, bénéficier de cela, tant mieux. Mais moi, je parle plus pour mes petits frères qu'on a cramé notre avenir ensemble. J'ai besoin que nous évoluions. Voilà un peu cette vidéo. Vas-y, réfléchis, avance, regarde. Quand tu étudies, quel est l'objectif à la fin? Ne pense pas. Donc, l'illusion de l'emploi, en fait, dans le pays africain, pour moi, je ne pense pas que je peux pas. Je n'ai jamais. Si je pensais, il y a certaines entreprises que j'ai ciblées. Si faut-il travailler, c'est là. En fait, en dehors de cela, je ne trouve même pas. Je vais me battre. Je vais avancer. Je vais lire des livres. Je vais continuer à suivre des formations. À la fin, vous me donnerez raison. Vous allez me donner raison que votre vie ne sera pas stagnante. Votre vie ne sera pas stationnaire, mais vous allez avancer. Voilà un peu ce que j'allais vous dire ce matin. C'est juste une vidéo de la motivation. Ne perds jamais l'espoir. Tant que tu as encore le souffle de vie, ne perds jamais l'espoir. Tant que tu as encore le souffle de vie, tu n'as rien encore perdu. Il n'est pas encore tard. Tu peux recommencer aujourd'hui. Commencer à épargner petit à petit, avoir un capital qui va te permettre de lancer. Et quand tu lances aussi, tu vas pouvoir bien gérer ton argent. Il y a beaucoup de vidéos que je vais faire par rapport à toutes ces situations. Comment gérer notre vie? Comment gérer notre finance? Comment faut-il? Il y a beaucoup. Donc, continue à suivre cette chaîne. J'espère que ceci t'ajoutera de la valeur. Ceci va t'aider. Ceci va t'amener à pouvoir un peu t'en sortir. À pouvoir faire d'autres. Aie des grands rêves. Pourquoi? Des Lamborghini, des Ferrari, des Range Rover. Pas des petits rêves là, de 1000 francs, de 3000. Vise la ligne, comme j'avais dit. Et tu atteindras les étoiles. Mais tout ce que tu vois là, ce sont des hommes qui les font, non? Pourquoi pas toi? Tu peux les faire en fait. Il n'y a rien de différence entre cette personne qui a fait des grandes réalisations et toi. C'est simplement parce qu'il lui a eu l'information avant et il s'est mis à travailler. Voilà, il a réalisé des pareilles choses. Mais toi aussi, si tu peux te mettre aujourd'hui, tu pourras réaliser des grandes choses d'ici 5 ans, 20 ans. Pensons à long terme. Ne regardons pas ce que nous sommes, mais regardons ce que nous allons être. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo t'a plu. Partage massivement dans toutes les plateformes où tu pourras aider quelqu'un. Je sais que l'Afrique, c'est dans l'avenir. L'Afrique, c'est la nouvelle destination du monde. C'est le centre, en fait, de tout le monde. Mais soyons sages, développons notre continent. Merci beaucoup. À nous revoir tout à l'heure. À nous revoir à une autre vidéo. Ciao. Merci.